Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous pouvez le voir, le décor derrière a changé tout simplement parce que je vous ai mis juste à côté de ma coiffeuse et pas dans le fond qui est là-bas habituel. Je peux pas faire mon setup et tout comme d'habitude. Comme vous le voyez, je pense. Oh, oui, j'ai chaud. Comme vous le voyez, je ne suis pas beaucoup maquillée, j'ai simplement fait mon teint tout simplement parce que je n'arrive pas à faire mes yeux en ce moment. Pourquoi? La réponse est ici, voilà. J'ai eu un accident de travail et j'ai toujours aussi mal. Je fais du kiné et tout. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment sur Insta et tout ça, je publie aussi moins de make-up. Le rythme sur la chaîne va être un petit peu ralenti du coup parce que bah du coup, je peux pas vous faire tout ce que je veux en ce moment. Et donc avec la situation actuelle, je me suis dit on va se poser. J'ai fait mon teint avec la main gauche hein, d'ailleurs. Voilà, donc je trouve que... Pour une main gauche, je ne m'en suis pas trop mal sortie, même si j'ai une tête de cul. Donc aujourd'hui, on va parler des empties, des produits terminés tout simplement, parce que bah, j'ai pas besoin de ma main droite pour faire ça, et donc ça sera beaucoup plus simple. Si vous voulez me soutenir, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, ça prend franchement 2 minutes, ça me fait plaisir. Je vois au moins que ce que je fais, ça vous plaît, et ça m'encourage à continuer. Le petit j'aime, et me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, et ce que vous en avez pensé, et c'est parti. Alors, on va commencer avec ce produit-ci, et ce produit-ci, c'est un conditionneur. Je crois que je vous ai parlé du shampoing dans une vidéo, peut-être l'avant-dernière, vidéo produit terminé, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la marque Man & Tail, je l'avais acheté à Londres, donc celui-là, c'est l'après-shampoing qui est apparemment vraiment très hydratant au niveau des longueurs, hydratation intensive, revitalisant. Je vais vous dire que oui, pour la simple et bonne raison que moi je me lave les cheveux à peu près tous les 3 jours. Voilà, comme ça vous êtes content de le savoir. Et en fait, je ne pouvais pas l'utiliser tout le temps. Je faisais un shampoing sur deux, voire un shampoing sur trois, enfin après shampoing du coup avec. Sinon, mes longueurs étaient poisseuses tellement ils me les hydrataient. Donc, ils fonctionnent bien, mais pas en continu sur moi. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Déjà parce que j'ai pas mal d'après-shampoing en cours, mais aussi parce que je crois que la compo n'est pas ouf ouf. Ensuite, je vais vous parler de ce produit-ci, et ce produit-ci c'est un gel douche tout simplement. Ça c'est Molton Brown, c'est une marque qui coûte une blinde. Je l'avais eu avec une très très bonne promotion, c'est pour ça que je me l'étais acheté. Il doit m'en rester un d'ailleurs dans la salle de bain. Je l'aime beaucoup, celui-là c'est le Fairy Pink Pepper. Il sentait extrêmement bon, ce sont des odeurs qui restent sur la peau, mais malheureusement c'est bien trop cher pour être acheté en prix classique. Donc oui, je dis oui pour le racheter, mais seulement si je le retrouve vraiment dans le même genre de tarif que ce que j'avais eu. Ensuite, je vais vous parler de ce produit-ci. Et ce produit-ci, c'est de la marque Wigens, je sais pas trop comment on dit. C'est le gel nettoyant visage purifiant, infusion blanche, revitalisation, purification, peau stressée. Donc ça doit être un format voyage, je crois. Je l'avais eu dans une box. Écoutez, je l'avais pris en Bretagne, je l'ai terminé à la maison parce qu'on est parti 15 jours, mais je suis revenue avec. Et j'aimais beaucoup l'odeur. C'était un gel nettoyant que j'utilisais sous la douche, il était sympa, il mousse, c'est un gel nettoyant qui mousse, il mousse pas tous, voilà. Il était sympa, est-ce que je le rachèterai? J'en ai d'autres, si je l'ai de nouveau dans une box, je serai contente, quoique, je vais être sincère, je n'achète pas souvent des box, donc bon, si je l'ai en cadeau et tout, je serai contente, mais je n'irai pas spécialement vers cette marque pour m'en racheter un. Ensuite, nous allons parler de ce produit, et ce produit c'est un masque, je crois que je l'avais eu sur Beauté Privée, si je dis pas de bêtises, c'est le Créogène by... Pure Farm, je crois. Donc salt free keratin mask. Ce sont pour les... enfin c'est un masque pardon de 500 ml pour les cheveux très secs et abîmés. Alors, je n'ai pas les cheveux très secs et abîmés, ils sont secs. C'est-à-dire que moi ma nature de cheveux c'est malheureusement un peu comme ma peau, mixte. Donc je graisse facilement en fait ici même très facilement, c'est pour ça que je ne peux les tenir que 3 jours et c'est avec du shampoing sec. Sinon ben en fait après un jour ils sont déjà dégueux. Mais j'ai les longueurs qui sont quand même pas mal sèches. Donc ça me fait du bien. Ça me fait du bien et il était très bien et je pense qu'il devait sentir bon. Attendez, parce qu'avec une main,
Ouais, il sentait quand même assez bon. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé la compo. Je l'avais eu sur beauté privée. Il m'a duré un temps fou. J'avais des très beaux cheveux avec. Donc voilà, j'en ai d'autres d'avance. Donc je vais pas aller me précipiter dessus maintenant pour le racheter. Mais s'il y a moyen que je le retrouve une fois que j'en ai plus, ça me dérangerait pas de le racheter. Ensuite, on parle bougie et regardez. Aïe, 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 aïe. J'arrive beaucoup mieux à les terminer maintenant que je mets le petit chapeau. Là, j'ai encore oublié le nom. Celle-ci, c'est une Yankee Candle et c'est la Seaside Woods. Bois en bord de mer. Et je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Je suis dégoûtée qu'elle soit finie. Si j'arrive à la retrouver une fois que j'ai écoulé pas mal de stock de Yankee, chose que je suis en train de faire, je la reprendrai parce que vraiment, celle-là, elle sentait hyper bon. Et mon salon a beau être quand même grand, j'arrivais bien à faire diffuser l'odeur. Et vraiment, ça sentait hyper bon dans le salon. Donc oui, celle-ci, c'est un coup de cœur. Ensuite, ça, démêlant pour les cheveux, marque Schwarzkopf. C'est le Gliss. Alors, ça va écrire en français dessus parce que je l'avais eu à nose, voilà pourquoi. Je crois que c'était, ouais, c'était kératine sérum avec un complexe de protéines. J'essaye de traduire, je fais genre. Hein. Supreme Fullness, donc on va dire que c'est censé donner grave de l'épaisseur, de la full quoi, que j'ai beaucoup de cheveux. Bon, je sais pas si ça a vraiment marché. Ouais, voilà, c'est pour cheveux fins. Donc c'est ça, c'est pour donner plus de volume, plus de consistance aux cheveux. Je sais pas si ça m'a donné plus de consistance. En tout cas, ça me démêlait bien les cheveux. Le produit sentait bon. J'utilise à chaque fois que je lave mes cheveux ce genre de produit parce que sinon c'est un enfer à démêler. Et voilà, je l'aimais bien. Donc ouais, si je le retrouve en promo, c'est le genre de produit que je rachète mais en promo parce que ça coûte quand même son petit prix. J'ai terminé ceci, donc ça c'est le spray pour le visage de chez Mario Badescu. Donc c'était avec de l'aloe, des herbes et de l'eau de rose. Écoutez, il était très 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 comment dire, agréable. Voilà, c'est le mot, c'est agréable. Alors moi, quand est-ce que je l'utilise? Alors, dans ma petite routine en fait, je me fais donc mes soins et à l'étape du sérum, j'applique mon sérum et avant qu'il ne sèche, je mets un bon coup de spray, donc 2-3 sprays, on va dire, de ça sur mon visage, je le mouille à fond. Voilà. Parce que c'est au moment où vous mettez votre sérum et votre acide hyaluronique qu'il faut profiter pour mettre un max de choses comme ça. Parce qu'en fait, ça va vraiment sécher et votre peau va vraiment absorber en fait ça avec du coup votre sérum. Et bah, c'est là où vous avez les meilleurs bienfaits. Donc c'est à ce moment-là que je l'utilise. Et celle-ci, enfin celui-ci plutôt parce que c'est en spray, c'était pour mettre un... Celui-ci, c'était pour mettre un boost d'hydratation. Voilà, donc il était très bien. Je l'ai en grand format. Je sais pas. Non. Ouais, là, dans le fond. Voilà, j'ai le coffret. Donc là, j'ai sorti une bouteille, mais il m'en reste encore deux. Du coup, donc oui, ça, je reviendrai dessus. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ceci. Ça, c'est de Kristen Lénard. C'est une eau florale de romarin pour le visage et pour le corps. Moi, je m'en sers que pour le visage. Donc celui-là c'est spécial peau grasse, 98% d'origine naturelle, astringent et matifiant. Donc pareil, au floral généralement je m'en sers au moment où j'ai fini de nettoyer mon visage, donc soit le matin, soit le soir, soit les deux, parce que j'ai celle aussi de l'Aqua Magnifica de Sanoflore, voilà, que j'utilise toute ma vie genre. Et... D'ailleurs, je l'ai fini. Je l'ai fini, mais je voulais pas montrer parce que je crois que la recharge, il reste un petit fond dedans. Donc, enfin, bref, j'ai rechargé ma nouvelle bouteille, mais vous verrez du coup dans les prochains produits terminés. Donc ça, j'ai bien aimé. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il pue, il pue, il pue. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à le terminer. Je suis vraiment pas certaine de le réutiliser parce que vraiment, je trouve que l'odeur était très forte et c'était vraiment une mauvaise odeur. Donc ça, ça m'a un petit peu refroidi. Ceci, alors ça c'est le contour des yeux de l'IRAC, c'est le Diopti Fatigue Gel Crème Redynamisant Correcteur de Fatigue. Il est bien fini, hein. Je pense que vous pouvez le voir, je suis allée au bout du bout. Bah écoutez, je viens de le terminer, donc là j'ai enchaîné sur un nouveau contour des yeux, donc ça faisait, il m'a duré peut-être 3 mois, 4 mois, je sais plus. Il était sympa, moi j'ai le contour des yeux qui est assez fragile, donc c'est vrai que parfois ça peut...
J'ai des crèmes en fait qui me brûlent un petit peu, qui me picotent le contour de l'œil. Là, ça n'était pas du tout le cas. J'ai bien aimé parce que j'ai beau avoir le contour des yeux sec, si c'est trop riche, ma peau a du mal à absorber. Là, le fait que ça soit en gel crème, c'était parfait. Non, je l'ai bien aimé. Très bien, pareil, c'est un truc que j'avais eu aussi en promo parce que bah, l'Irak c'est pas donné non plus. Là j'en ai un nouveau à l'avocat, donc écoutez, on en reparle bientôt. Ensuite j'ai terminé cette petite chose de chez Kaleidos. Ça je l'avais eu avec ma commande Kaleidos, du coup c'était offert. C'est un lip mask un petit peu dans le genre de... Attendez, je crois que j'en ai un là. Voilà, un petit peu dans cela, dans les genres de la neige, vous voyez. Un petit peu le même genre de texture, je dirais peut-être un peu plus liquide, mais il était très beau. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent en journée parce qu'il y avait des petites paillettes dedans. Moi, sincèrement, je mettais une bonne grosse couche épaisse avant d'aller me coucher, un peu comme avec mon la neige du coup, et je l'aimais beaucoup. Du coup, il était dans la salle de bain, vous voyez, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Il est complètement vide. C'était à l'agave bleue. Et j'avais les lèvres méga méga hydratées le lendemain. Donc ça, je l'ai beaucoup aimé. Après, je vais pas recommander exprès sur Kaleidos pour l'avoir. Mais s'ils me le remettent en cadeau dans une future commande, je vais être carrément contente. Ensuite, on va parler make-up et je vais vous montrer deux fois le même produit. Hein, parce que bah du coup, je les jette en même temps et c'est deux fois le même. Parce que je suis une gogole et j'en ai ouvert deux. Voilà, enfin bref. Ils sont terminés tous les deux. Ce sont des Epic Ink Liner de chez NYX. Je vous les ai déjà présentés. Je vous ai déjà dit que c'était mes liners feutres préférés. Au niveau de la pointe, ils ressemblent au KVD. C'est un petit peu en fait une pointe avec plein de petits poils, vous voyez. Et vraiment, je les adore. Ils sont très bien. Ils sont noirs. Ils coûtent pas très cher. Vraiment, ceux-là, je les ai toujours d'ailleurs. Voilà, il y a celui en ce moment sur ma coiffeuse. C'est exactement le même, c'est juste que c'était la collection de Noël qui est rose du coup, mais c'est le même produit à l'intérieur. Et du coup, il était soldé, et donc forcément, je l'ai racheté. J'en ai plus en backup, j'en ai toujours au moins un en backup. Là, j'en ai plus, donc concrètement, il va falloir que je me penche sur la question, parce que cela, clairement, je ne peux pas vivre sans. Ensuite, j'ai terminé ceci. Et ça, je sais pas si vous connaissez, c'est donc de la marque Tage. C'est pas donné, donné, donné. C'est un masque pour les cheveux nourrissant, revitalisant, protecteur. C'est un masque ayurvédique. Voilà. Donc pareil, ça se présentait un peu comme un masque classique. J'ai le shampoing aussi qui est par contre vraiment pas du tout pareil. Alors l'odeur est sympa, c'est vrai que ça m'a surpris au début mais j'ai bien aimé. Est-ce que je l'ai trouvé nourrissant, revitalisant, protecteur? Alors, revitalisant, protecteur, j'en sais rien, mais en tout cas, il nourrissait effectivement très bien mes longueurs. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté avec le shampoing en combo 9 sur Vinted à un très bon prix parce que, pareil, si vous regardez, vous allez voir que c'est pas donné. Mais là, pour le coup, je crois que niveau compo, c'était pas trop mal parce que ça doit être un truc un peu nature, je crois. Enfin, bref. Et du coup, en ingrédients à l'intérieur, vous avez de l'huile de sésame, de l'huile de coco, de l'huile d'amla, de l'huile de bringrage, je sais pas du tout ce que c'est. Et une autre huile que je ne sais pas du tout ce que c'est, Kapur Kashli. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref, avec de l'eau naturelle de l'Himalaya. Ça vend du rêve ou pas? Ça vend du rêve. Non mais sérieux, je l'ai vraiment bien aimé. Si j'arrive à le retrouver peut-être dans le même genre de prix que ce que j'avais pris, ouais, là je pourrais recraquer, mais pas au prix qu'il est vendu par exemple à Nocibé. Non, non, non. Ensuite une bougie et celle-ci c'est la Yankee Candle Cozy by the Fire, donc au coin du feu. Et celle-ci je l'adore, 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 l'adore quand on est en voilà octobre, septembre. Enfin vous voyez cette période un peu. Je suis fatiguée, ça fait longtemps que j'ai pas tourné les gars. Automne-hiver, voilà, je vais m'en sortir. Automne-hiver, je l'adore, ça fait vraiment petite odeur de bois brûlé, de cheminée et tout. Et c'est vrai que bon, nous on a une cheminée, enfin bref, vous avez compris. Et j'adore cette odeur de bois brûlé et celle-ci, vraiment, vraiment, je l'ai adorée. Je pense que pour l'automne prochain, je me la reprendrai parce que c'est une odeur que j'adore et pour le coup, elle se diffuse hyper bien. Celle-ci, je la sens vraiment dans tout mon salon, jusque dans la cuisine. Pourtant, ce sont de grandes pièces et
j'en suis fan. Et je vais vous parler, merci Daisy, de ce produit. Alors là, c'est un produit de chez Too Faced. C'est le Prime and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Donc c'était la gamme à la pêche. C'était, je crois, pour les peaux grasses, pour matifier la peau. Vous le voyez, il en reste dedans, mais il a tourné, il n'est plus bon. J'ai regardé justement, parce qu'il était sur ma coiffeuse, dans les trucs à finir en priorité. Et quand je l'ai sorti, j'ai très bien vu qu'il était plus bon, il pue, il est biphasé, enfin bref, il faut le balancer. Donc tant pis, c'est dommage, mais en même temps, je vais pas risquer une infection, j'en sais rien, sur ma tronche. Donc voilà, je sais pas pourquoi des fois j'ai des primers comme ça alors que je ne mets même pas en fait de fond de teint. Ça m'arrive d'en acheter quand ils sont matifiants ou pour cacher les pores. Parce qu'il y en a qui ont un rendu même sur peau nue, je le trouve. Lui, c'était pas spécialement le cas. J'ai pas trouvé qu'il matifiait la zone T plus que ça. C'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à le terminer. Parce que bon, bah, mettre des produits, juste pour mettre des produits, c'est pas trop mon truc. Et là, bah du coup, alors je pense que si vous mettez du fond de teint et tout, ça doit être grave bien. Moi, j'ai pas trouvé du coup un effet canon. Et donc, je suis obligée de le jeter parce que... Encore une fois, je vais pas mettre un truc qui est périmé sur la tronche. Donc, ça a été une vidéo assez rapide, mais voilà, les produits que j'ai terminés en ce moment, il n'y a pas énormément de make-up, parce que comme vous pouvez le voir, mon make-up en ce moment, c'est soit rien du tout, soit ça au grand maximum. Donc, voilà, franchement, je vais pas vous mentir, ça me manque de vous faire des vidéos genre crash test nouveauté et tout. J'ai reçu la Be Perfect, la dernière, j'avais trop envie de vous la crash tester. J'avais reçu la Marion Caméléon, j'avais trop envie de vous la crash tester. Bon, après, quand j'ai vu qu'il y avait 50 000 personnes qui avait fait la vidéo Marion, je me suis dit non, on va peut-être pas la crash tester parce que ça va faire un peu lourd, mais voilà, j'ai reçu 2-3 palettes comme ça et j'avais grave envie de vous en parler, mais enfin, si je peux le faire que dans un mois ou deux, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc en gros, on en est là, je vous ai présenté un peu tous mes produits terminés, je vais essayer peut-être de vous tourner une vidéo, peut-être tri d'un tiroir, make-up, un truc comme ça avec vous, parce que pareil, j'ai pas besoin de mes deux mains en fait pour ça. C'est le montage qui va être drôle, le montage main gauche, à mon avis, je vais m'éclater, parce que vous dites, non, en fait, quand on n'est pas du tout gauchère, mais genre pas du tout, tous les trucs nous prennent 50 ans, et on fait toujours des conneries, c'est-à-dire que je me sers un verre, je renverse, je manque de faire tomber le verre, je n'arrive pas à éplucher mes légumes, forcément, parce que j'ai pas la bonne main, même un truc tout con, genre aller aux toilettes, et vous essuyez avec la mauvaise main, bah essayez juste pour voir. Et vous allez peut-être comprendre que franchement j'en ai plein le cul de cette situation. J'en ai marre, j'ai envie que ça aille mieux et voilà, j'ai envie de pouvoir, revivre et utiliser ma main et j'ai trop envie de me maquiller et ça me manque. Voilà. J'ai fini de râler. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Ça me fera plaisir. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite. Je sais pas du coup si ça sera dimanche prochain ou pas. Je vais essayer de vous faire, comme je vous dis, la vidéo avec le tiroir. Genre des clutters, machin, là. Et je vais essayer de vous faire ça vite et essayer de monter ça à peu près vite. J'espère que ça va pas être un total mess. J'espère que ça vous a quand même plu de voir ces produits terminés. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !